Salut tout le monde, c'est Dynamo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Watch Dog. Donc on reprend tout de suite après où on s'est arrêté à l'épisode 1. Donc voilà, on sort de la chambre. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Ok. Un compte bancaire non déclaré. Ça peut être sympa ça. Sortez de votre chambre, utilisez le profil des passants. Utilisez l'appui sur les passants dans le périmètre de votre plan pour détecter des crimes potentiels. Accès à du temps. Fan de course à pied. Faudrait quand même que je remercie le CityOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Morceau obtenu, super, c'était de la musique. Clé système, élément 2. La clé système sont des éléments permettant de fabriquer des outils bouillage, backups, scan. Ok, nickel. Ok. Crime potentiel. Là, pour ma vie, elle m'a payé plus tard. T'énerve pas, réfléchis. Bon, QA, j'y vais. Tout de suite. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais okay, le retrouver. Abandonné. Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Inspecter la zone de crime. Est-ce qu'on peut sauter? Ouais. Inspecter la zone de crime. Merde. Comment on fait pour ranger son flingue? Voilà, LB. Voilà. Alors, donc, hop là. Il faut que je prenne une voiture là. Parce qu'il y a la mienne. Elle est où ma bagnole rouge? Pire, je vais en pirater une. Hein. Ouah, celle-là, elle a l'air style pourri. Et si je prenais ça? Et on va. Voilà. Hop, ça bouille. Deux tours. Eh merde. Voilà. Il est voilà, dans il la est dans cette zone, faut que je fasse attention. Que je fasse attention. Il est pas le faire, repérer, je suppose. Et laisser le profiler faire son travail. Parce qu'une crime potentielle est détectée par le site OS en dans la zone indiquée, utilisez le profil X pour identifier une victime ou un criminel potentiel. Donc je ne vais pas repérer, attendez l'alerte du site OS avant d'intervenir. Votre réputation augmente davantage si vous neutralisez un criminel sans le tuer. Ok, mais je suis pas flic moi. J'ai pas envie d'être un flic. Voilà. Je suis tout proche. Où est-ce qu'il est? Compte bancaire piraté, nickel. C'est sûrement après elle qu'il en a. Il est dans le noir. C'est sûr, je le sens. Hey, c'est pas tes oignons. Merde. Eh merde. Je peux pas le neutraliser juste à cause d'un SMS. C'est son attaque un autre jour. Il faut que je fasse plus attention. Oh, elle a l'air d'être pas trop moche, celle-là. Oh. Oh,
Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Elle est presque finie. Où est-ce que c'est? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion. Tu préfères passer par un concessionnaire? C'est classe, là. Ce mec, je lui pose pas de questions. Et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse. Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais lui poser à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui. Ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein. C'est pour ça. Hein. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais... C'est toi qui me fais très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Je suis pas sûr. Pour vous faire livrer des véhicules, accéder au smartphone, sélectionner un véhicule à la carte, débloquer de nouveaux véhicules en les conduisant en piratant les volets de passant, acheter des véhicules à la tour, près de votre véhicule à la carte, si ça n'est pas disponible en cours de mission. Ok, ok. Là. Alors, viens voir. Ah, faut que d'avoir. Ouais, enfin, ça va être une attaque de plus, quoi. Wow, petit micro-buteur. Ah, c'est pour retirer la thune, ça. J'ai pas besoin pour le moment. Bon, on va voir un peu où c'est que mène... Non. C'est qu'il est, mon appart, là. Putain, je me rappelle jamais où c'est qu'il est, c'est chiant. C'est pas ça, hein. Ah mais si c'est ça. Il faut faire quoi là? Bon, c'est un peu compliqué là, je galère. Donc ça c'est quoi ça? Débloque les points d'intérêt. Je vais au smartphone et j'arrive à rétablir sur smartphone. Ça je m'en tape. Mission principale, ok d'accord. Donc on peut dézoomer. Elle a l'air d'être plutôt balèze la carte. Donc, explosif. Ok, donc je suis revenu là pour rien du tout. Donc on va. Allez! Comment reprendre ma petite voiture? Voilà, ça va me plaît bien cette voiture. Bon, on va essayer de continuer l'histoire principale. Hein. On va pas faire les trucs à côté, je pense. Argent, ça c'est quoi ça? Permet de débloquer les points d'intérêt. Débloquer des plantes supplémentaires et améliorer parce qu'on de collecteurs de points d'intérêt. Une enquête secondaire. Ouais, mais moi je vais d'abord de faire. Voilà, elle est plutôt sympa, c'est pas bon, c'est bien. Voilà, mais c'est pas ça. Big up à Déco, la tête à ça. Mmh. Et merde, je suis pas reprenable.
Ok, démarrer la mission. C'est parti. Accueillir jouer les grands frères. Ok. Je suis pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en important le gâteau. Elle chantait à tue-tête, pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Et rejoignez la fête dans le jardin. Allez, on va voir ce que ça donne. Attends. On peut pas rentrer dans la baraque ? Bon, je suis censé y aller. Ils sont sûrement dans le jardin. Ok. On y va. Voilà, aujourd'hui. 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillemets d'anniversaire. Et... Arrête, maman. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Ok. Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais, désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire, Selena. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Jackson? Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin? T'es... grand. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je peux parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, madame. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous.
Toujours à jouer les grands frères. Bon. Pénétrer dans la maison. La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire d'Elena. Jackson l'adorait. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type là qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vraiment? Non, continuez. Allez-y. Bon, qui est à l'appareil? Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Sortez de chez vous, achetez une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Ouais, bon, c'est bien gentil tout ça, mais je vais encore beaucoup commenter s'ils font que de parler. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides? Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? C'était qui, ça? C'est rien. C'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va, là. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. Parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. Ah, te voilà. Bon, on fait quoi alors? Il est en mouvement. On va pas vous lâcher, quoi. J'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Et cassez-vous! Ben ouais, mais parlez-moi aussi. Allez, on va la rattraper. What, la petite voiture là? Allô, allô.
T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Hey, comment on court plus vite? D'accord, c'est bon. Allez, bonne nuit. À fond là, il va s'échapper donc il va... J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de moi en fait. Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loup. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok. Donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loop. Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de la belle. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au site iOS dans le Loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. On engage des mercenaires pour surveiller les centres City OS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Et moi aussi. Si le site iOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. J'ai où là? Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux payer à 1500? Qu'est-ce qu'on prend? Si on prenait celui-là, il est bien là. Pas le pompe aussi, il est bien, mais celui-là, il est un peu plus. Là, je vais regarder. Fusil de précision. Je peux rien acheter, dommage. Fusil d'assaut, fusil à pompe, lance grenade, pistolet mitrailleur. Non, on va prendre le fusil d'assaut, celui-là. Acheter. Voilà. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DeadSec.
Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier, vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Ok. Ouais, j'ai failli vous écraser, vous. Bon. Ah, une moto, moi, je vais conduire une moto. Je vais voir comment c'est, si la conduite de la moto, c'est bien. Donc, ouais. Oh, oui, le Willy, fou. Oh. Excellent. Elle a volé où la moto? Elle a volé jusque là-bas. Et oui, personne. Ouais, ok, c'est bien. Moi. Non. C'est parti. Allez. Ouais, d'accord. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Putain! Ok, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. On va aller là. Déverrouillé. Comment on quitte? On va voir si par là, ouais, on peut pas. On doit pouvoir partir, mais on ne peut pas. On va la garer là. Si on va me barrer après. On va entrer dans une zone. Bah oui, j'ai fait une zone. Les poteaux. Est-ce que c'est... J'aime pas ça. C'est quoi ce truc? Je le connais. Et merde. Commencez à chercher, il est dans le coin. Où il est alors? Toi, tu es là, bouge de là. Je l'ai touché.
Je vois quelqu'un ailleurs. Je continue. On se concentre. Il doit pas être loin. Et il y a rien là. Hé hé! J'ai un gagnant! Je vois que dalle! Je bouge de là! Y'a rien, je change de point! Ah mon miche! Sniper! Sniper! Sniper, on a fini de mettre ou pas? Oh, j'ai un pâté là. Je suis que des headshots. Bah oui, je prends. Je prends toutes les armes. Mais... Tiens, Bobby. Qui le patron là? Par contre, il revient reprendre plus mon barbe. Voilà. Pirater. Clac. Pirater du garde. Utiliser le code d'accès pour accéder. C'est le code pour accéder au serveur. Voilà, j'en ai tué pas mal de mecs là. Vous allez voir un peu de munitions. Voilà, de l'argent, des munitions. Hop hop, encore des munitions, de l'argent. Je les ai trop gérés, ça va être bon. Je compte au moins. Hop là, c'est quoi ça? Composants électroniques. Composants électroniques, c'est bon, je sais même pas lire. Composants médicaux manteux max. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gardes que ça quand même. Par contre, j'ai tellement tout ce one shot dans la tête là. C'est pas une économie de balles ça. Composants électroniques. J'ai pas besoin de ça. Alors, on va faire le tour hein. Faire exploser, non, il n'y a pas besoin. Faire exploser, non plus. Attirer. Ouais. Élément chimique. Ok, ok, je fais une petite course, moi, hein, je m'en voulais pas. Bon, ben en fait, je vais m'arrêter ici, parce qu'on est déjà à 33 minutes, donc je vais m'arrêter ici. Et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, c'est toujours pas besoin. Je vais dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez kiffer ma petite série de let's play. Bon, j'ai pris un peu de temps dans cet épisode au début pour faire un peu les trucs et tout. Mais bon, ça va aller plus vite maintenant. Je vais enchaîner les missions principales. Hein. Je fais aucune mission secondaire, je pense. À part si je suis obligé. Mais voilà, je vais torcher que les missions principales. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même les missions Adex, toutes les, je pense, bon, à faire quelques activités, trucs comme ça, mais je pense que je vais essayer de faire juste l'histoire principale. Et après, peut-être des hors-série ou des trucs comme ça pour le mode multijoueur. Et les activités, des trucs un peu délire si j'ai envie de faire pour essayer d'avoir le plus de flics possible ou trucs comme ça. Voilà, je vais essayer de chercher des trucs. Et on verra bien. Ce que ça donnera. Voilà les potos, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. La bise. Et oui, et je suis enrhumé. Allez, à plus tard. Don't stop tonight. Don't stop tonight.